Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, comment allez-vous? Moi, ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un jeu tout neuf qui nous a été vendu il n'y a pas si longtemps que ça, Metro Last Light. Alors, pour éviter le spoil, j'ai choisi une mission qui se situe au tout début. Nous avons été capturés par le Reich lors d'une mission de routine, bref. Et on va s'évader avec un ami que l'on vient de croiser dans cette cellule. Bon, à première vue, ça a été un peu la merde, c'est un peu le bordel, j'avoue. On s'est battu. C'est des cellules ou c'est des pissoirs? On sait pas trop ce que c'est. Il y a des crochets à viande, bref. Donc lui, c'est le méchant qu'on a défoncé, hein. Avec son collègue ici, hein. Tiens, on a défoncé le crâne à cette espèce de trou du cul, du culé qui nous a fait bobo avant. Voilà. Donc notre pote est un russe et notre pote russe se trouve dans ce tunnel. J'ai pas du tout envie d'y aller quoi, parce que franchement il est dégueulasse ce tunnel. Il est dégueulasse, c'est le vide ordure en fait, et bien entendu bah, il faut toujours que ça nous tombe sur la gueule. Bon, hein, quand faut y aller, faut y aller. C'est parti mon kiki, en envoie. Alors lui, il a la K. Tu vois les tuyaux? Et Voici moi leur j'ai un secours. couteau. En cas d'émeute normal. d'évasion, il leur suffit d'ouvrir la valve et la prison se transforme en chambre à gaz géante. La vache, on peut dire que leurs prédécesseurs les inspirent. Chambre à gaz géante. Chut. On ira dès que le monde charge sera parti. On y va. Ouais, vas-y, on y va. Bordel, c'est pas vrai. J'avais entendu dire qu'il y avait un camp de concentration ici. Mais le voir de mes propres yeux. Saloperie. Il y a un tunnel de l'autre côté. Bon, je mène et tu... Ouais, vas-y, vaz vas-y, 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 vas-y. Vas-y. Pour gazer tout le monde. Ok. Tiens, voyons un peu ça. On y va. Ouais, vas-y, on y va. Évite la lumière et reste bien dans l'ombre. C'est ta meilleure. Ouais, d'accord. Vas-y, avance, je sais qu'il faut venir ici. Donc, on s'est fait capturer par des nazis en Russie. Qui ont survécu à une attaque de monstres. Une grille. Et on va tenter de s'enfuir donc avec mon copain le russe ici, ouais, qui est un peu autiste, merde, hein, mais bon. Ça va, sinon il est pas trop méchant bon, non plus. Hein, j'ai fait plein de fois sa connaissance et que tout. Bon, où est-ce qu'on va maintenant? Ben où est-ce qu'on va? On va aller en haut. Ici. Hey, oh, aide-moi un peu. Oui, bah, je veux bien. Allez, vas-y. Alors j'ai voulu faire un tas de trucs sur ce jeu, je voulais faire un let's play, je voulais faire une vidéo en attendant, je voulais faire... J'ai rien réussi à faire parce que comme vous avez sans doute pu le remarquer sur mon Twitter, j'ai eu pas mal de problèmes ces derniers temps avec mon HD PVR et mon PC. Vas-y, je suis une petite souris. Allons-y doucement, d'accord? Mais ouais. Stop, stop quoi? Ah, vas-y, ne vois pas, rad au milieu, cette espèce d'autiste. Vas-y, on va le tuer. 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 Vas-y, avance alors, avance. Vas-y, je vais me le faire. Vas-y, je vais me le faire. Vas-y, vas-y, je vais me le faire. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y. Ce jeu, franchement, il est magnifique. Graphiquement, le scénario, il est magnifique. Il y a des retournements toutes les 3 minutes bientôt. Vas-y. Pas de d'accord, vas-y, balance, avance. Oui. On tue ou on assomme? On tue. J'adore le bruit que ça fait quand tu les étouffes. On récupère des munitions, c'est super. Donc c'est beaucoup infiltration, c'est un peu survival. Donc on a des passages où on doit rester hyper discret. Et on peut, voilà, dévisser les ampoules pour faire un peu plus de noirceur. Gros, j'ai de la peine. Monsieur, vous êtes bizarre. Toi t'es tout blanc, lui il est tout rouge. Et toi t'es normal. Je peux qu'il y en a un derrière. Vas-y, je traverse. Toi, tu vas mourir. Meurs. Voilà.
Donc on a le choix entre les tuer ou les assommer, mais bon. Les assommer, c'est pas marrant parce que. De toute façon, ça change rien. Hein. C'est quoi ce bordel? Ah, j'ai déjà fini le jeu, hein. Je me souviens plus très bien du début en fait. Ce marchand de Hansa, il arrêtait pas de me harceler pour que je vende la créature. Il disait que ça serait du gâchis de la battre, qui me paierait bien. Alors ben, moi j'ai. Montre-moi les balles. Ok, écoute. Je suis prêt à donc oui, comme d'habitude, hein, les... la monnaie dans le jeu, on est payé en balles militaires. En balles militaires, oui. En balles militaires. Putain, le couloir, ça va? Oh putain. J'avais oublié ce passage-là. Putain, je vais vomir, arrête. Ça va, t'as de la peine? Couteau de lancer. Donc j'ai fait le jeu moi en Ranger. C'était disponible avec la précommande. Qui consistait. Je peux dévisser, merci. Donc le mode Ranger qui consiste tout simplement, on n'a pas de réticule de visée comme on a maintenant. Alors. Le bruit, bande de débiles, bordel. Ils m'entendront pas, je te dis, je suis un putain de fantôme. Je suis à genoux, ah oui, c'est bon, je suis à genoux. Vous êtes doué, mais faites attention. Si vous voyez, on sera tous gazés. Super, t'as réussi. Ah, c'est génial. Attends, j'arrive pas à dévisser ça, moi. Ok, à l'ancienne. Ouais, mais c'est moi qui dois plus l'interphone, c'est même moi qui m'en prends plein la gueule à chaque fois, c'est toujours la même chose hein, dans ces jeux, c'est incroyable. Moi je suis planqué contre le mur là. Oh la porte qui s'ouvre, la porte qui s'ouvre, arrête, 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 arrête. Qui s'impatiente comme ça, bordel? Oh putain, pas bouger. C'est une blague ou quoi? Allez, monte-toi. Fritz, c'est toi? Ne pas bordel, bouger. J'ouvrirai pas la prochaine fois. Ciao. Pourquoi est-ce que je peux pas avoir de matraque, un truc? Le russe il fait genre ouais je suis ton ami et tout, je te file 50-50 à chaque fois et puis je me retrouve... J'ai un couteau. Ah. Ah. Ouh. Oui c'est normal, toutes les montres font ça, ok. Espèce de vieux jaloux. Allez, vas-y, ouvre-toi, ouvre-toi. Hop, on ferme ça. Donc il faut vraiment... C'est hyper violent à des moments parce que... Si on n'enlève pas une lumière, ils vont voir un corps. Si on referme pas une porte, ils vont savoir qu'il y a un truc de louche qui se passe. Non, ce jeu est quand même vachement bien foutu pour ça. Hein. Donc on va aider notre pote à se frayer un chemin. Hop, couteau de lancer. Il est vachement précis ce mec. Hein. Trop fort mon collègue. Ah putain, il a lancé trop fort, il est trop balèze, trop balèze. Alors, comme je vous disais avant, donc j'avais fait ce jeu. Au début j'étais donc en ranger, donc ça veut dire qu'on n'a pas de réticule de visée, pas d'ATH, on n'a aucune indication sur nos munitions et nos armes. Là quand on change, on voit les munitions qui nous restent et celles qu'on a dans le chargeur, tandis qu'en mode ranger, on n'a pas tout ça. La petite croix au milieu de l'écran, elle disparaît aussi pendant toute la durée du truc. Et les ennemis sont plus difficiles à battre, blablabla, bienvenue dans le monde de l'enfer, foutez dans une merde noire. Je vais vous montrer un peu. Voilà, on va commencer à les faire paniquer un peu les mecs. Oh putain, toi tu vas te retourner, je la vois venir. Meurs. Voilà, c'est bon. Non, on est censé pouvoir prendre des munitions là-dedans, non, bon. On peut aller jusqu'où là-dessus?
Donc là-bas, on a deux ennemis. Ici, on en a un, mais il y a trop de lumière pour le moment. Et là, on en a un autre. Alors, sauf erreur, lui, il est censé faire des petits tours un peu kikoulol. Vas-y, vas-y, toi, je sais que tu vas aller là-bas. Si tu restes là, je vais tuer l'autre. Si tu bouges, faut me prévenir avant. Ça, je peux m'organiser, monsieur. Tu dis maintenant, tu fais quoi? Voilà, je savais que t'allais là-bas. Lui, après, je lui tombe dessus par derrière. Remarquez, l'heure affichée sur la montre, c'est la véritable heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, quand même. Putain, t'es un saoulant, là. Qu'est-ce que tu te fais comme ça? Le truc, c'est qu'il va falloir être discret. Faut pas qu'ils me voient. Toi, je t'égorge, tu restes. Fais dodo. Chut, pas de bruit. On souffle la torche. Voilà, c'est bon, nickel, discrétion assurée. Bon, d'accord. Okay, c'était une mise à mort un peu rapide, j'avoue. Mais bon, dans la vie, il faut savoir se faire plaisir, hein. Ici, j'ai vu qu'il y avait une caisse. Des kits de soins, une jolie photo, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui traîne par ici? Je peux tout défoncer. Il n'y a rien du tout, ok. Ok, toi je t'ai vu. Oh putain, je suis visible par quoi? Clac, toi je t'ai gorge. Ne fais pas le bruit, je dois les tuer, ton pote. Quoi? Silence, volaille, dodo maintenant. J'adore ce jeu. Après, bon, on a toujours le choix de faire ce qu'on veut. Est-ce que... Ouais, j'arrive, monsieur, calme-toi, hein. Allez, hop, on libère tous les prisonniers. Je sais pas trop où ils vont aller, mais... Bon courage, les amis. Ah. Partout, il y a ces petits bouquins qui traînent, là. Si jamais, hein, pour ceux qui savent pas, c'est tiré d'un livre. Eh oui, des gens peuvent lire encore à notre époque. En plus, c'est un livre pur cool. Enfin, en tout cas, avoir le jeu, le livre doit pas être mal. Même s'il n'y a pas besoin, ça fait quand même du bien de savoir qu'on peut être couvert par la sombritude et la folie. Ah bah ça c'est ce qui s'appelle être un peu trop nuit quand même. Ma fuite de la prison facho pourrait s'intituler l'ennemi de mon ennemi et mon ami. L'ennemi de mon ami et mon ami. Cet ami, c'est Pavel. Il dirigeait une équipe de blablabla. Alors, comment ça va mon vieux? Y'a rien à récupérer là. Allez, vas-y. Suis-moi et t'arrête pas. Vas-y, je suis derrière toi mon pote, je suis derrière toi mon pote. Sécurité, dégagez. Ouais, sécurité, poussez-vous là, ouais, poussez-vous. Représente les jeunes en scooter. On va tous vous défoncer. T'as vu ta tête? T'as trop honte de ta tête? T'as vu ta tête? T'as trop honte de ta tête? Madame, vous êtes une madame! T'as vu, t'as la même tête que le monsieur là-bas. Oh, pardon. Waouh. Oh, bah, Führer. Madame, t'es une madame aussi, toi. En plus, c'est une blonde. Et j'ai vu que tu mettais son cul, hein. Waouh. Putain, j'avais oublié ça. Attends, je sais plus où faut courir. Ah mon dieu, il y a des enfants, faites attention aux enfants, tirez pas sur n'importe qui, arrêtez, cessez le feu, au secours, poussez-vous, poussez-moi. Barrez-vous de mon passage. Sautage. Pas touche, connard, quoi. Mon dieu, je vais mourir.
Mec, t'es malade, je fume 3 paquets de clopes par jour, moi. Tu penses que je peux faire n'importe quoi aussi? Ça va, toi, avec ton S12? Mort. Au secours, au secours, au secours, j'aime mieux quand c'est discret. Attends, je me suis cassé une jambe, je pense. Oh, tip top, je suis couché par terre. Ouais, merci. Il est mort. Il s'est calmé. Pédale, va. C'est comme ça que tu défends ta nation et ton territoire. Tiens bon, Artyom, Artyom, tiens bon. Mais quoi, quoi? Tu l'es? D'accord, je tue. Meurs, 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 toi aussi, toi, 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 tu meurs aussi, toi. On se barre, on se barre, on se barre. On est suivi par un véhicule vide. À nouveau de la sombritude. On a réussi l'impossible. Maintenant, je dois informer l'ordre que le sombre a disparu. Oui. Oui. Ce qui signifie admettre que j'ai échoué. Voilà. Wow. Oh, on dirait qu'on les a perdus. On ferait bien d'aller vite au théâtre. Y'a pas d'autre endroit où aller, hein? Je sais pas, je n'ai pas du tout entendu ce que tu viens de me dire, mais ça devait être sympa. Merci, c'est gentil. Merde. Ah, ça c'est con ça. Merde, un cul-de-sac, tiens bon. Monsieur, tu t'es pas logique. Oh. Mec, t'as vu dans quel endroit de merde tu nous laisses aller ou quoi? Ouais, trop cool, mec. C'est vraiment génial, ton idée. Là, un tuyau. Je sais pas si t'as vu qu'il y a plein de toiles d'araignée partout, mon dieu. Non, je veux pas retourner là-dedans. Ok, bon, fais-moi la courte échelle. Ah, vas-y, je te fais la courte sale. Représente les gens qui aident. Voilà. Quelle souplesse. Vas-y, je t'attends là. Ok. Attends ici, pendant que je regarde. Quel Bob! Représente les mecs discrets, moi je sais où faut aller, bah j'ai déjà fait le jeu. Donc si jamais vous savez pas. Juste ici, il y a une caisse. Avec plein de munitions. Bien reçu, on s'en occupe terminé. Allez, allez, on y croit, on y croit. On est des ouf. On est des ouf. On est des ouf, on est pas des ouf. C'est pas à son sujet que je m'inquiète. Ouais. Qui sait combien de ces fumiers se plantent. Oh putain, arrête pas en haut toi. Tout ce que je sais, c'est qu'on doit les trouver. Je t'ai l'œil, hein. Tu vois quelque chose? Allons vérifier le cul-de-sac pendant qu'on y est, histoire d'être certain. Ah, je suis coincé dans le... C'est... Merde, il s'est retourné. Non, c'est bon, putain. Couteau de lancer. Thomas au cross de map, t'es défoncé, t'es mort. Ah, en fait, ah ouais, j'avais oublié. En fait, j'ai plus l'habitude, mais on peut jouer avec 3 armes en mode normal. Chose qu'on n'avait pas à l'époque quand on était plus... C'est un pompe ton truc là? Non, c'est une vieille mitraillette. Il fait quoi là-haut le mec? Bon, maintenant ici il s'agit d'être discret, de s'enfoncer dans les flammes, tel. T'es quelqu'un qui s'enfonce dans les flammes, j'ai envie de dire. Attends, arrête de faire du bruit, c'est super chiant là, je peux pas me concentrer. Toi, je te vois venir, toi. C'est du super bonté. Du vrai. Le vrai déjà. Je pense que cette station est le vrai. Peut-être pas ce gars, parce que moi, c'est votre situation. Je suis pas sûr, mais il me semble que quelqu'un. Oh putain. Putain de merde, j'ai failli me faire repérer 8 fois quoi. Il était même pas
comment ils se reproduisent? D'après toi, comment ils se reproduisent, les gens, franchement? Donc là-bas, il y en a un qui a 35 été parce que ses potes sont parvenus. Oh putain de merde! Putain de coordination en fait. Avec ma chance, je vais me choper la crève. Oh non, 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 reste là-bas dedans. Ces mutants de coco vont pas attaquer. Bon, ok, d'accord, ok, ok, d'accord. Oh putain! T'es malade, monsieur, tu m'as fait peur à venir fumer des clopes ici. En plus, ils ont manié à se cacher à chaque fois pour les fumer une. Putain de trou. Oh merde. Bon, lumière ici. Si je tire, je suis repéré. Lumière ici. Si je tire, je suis repéré. Lumière là-haut, si je tire, je suis repéré. Lumière là-haut, si je tire, je suis repéré. Ennemi là-haut et ennemi à droite. Ah merde, il a bougé. J'allais lui lancer un couteau pour le calmer, ce mec. Bon, ok, réfléchissons. J'ai jamais réussi à passer discrètement ce coin. Ça doit pas être si difficile que ça, mais... Là où il y en a... Ah putain, il tourne en plus, le salaud. Bon, lui, au moins, il est mort à un endroit où il pourra pas être repéré. J'espère, sinon ça va partir en cacahuète, les amis. Vous allez pas vous rendre compte de ce qui va nous arriver. Donc déjà, je peux passer discrètement ici. Et merde. Ouh. On a un mec ici qui bien sûr surveille cette porte là. Donc normalement je pourrais passer par ici. Oh putain, il y en a un là. Oh putain. Oh putain. Moi aussi là je suis en train de m'emmerder un peu à trouver une solution. Oh putain. Bon alors on va essayer de... Oh putain. J'aimerais bien de la bouffe. Oh putain. Et je dirais pas non à l'antivers. Le gros souci, c'est lui qui tourne. Santé. Bon sang. Tout le métro a dû m'entendre. Là, il fait nuit normalement. Je devrais pas être repéré. Putain de merde. Bon, ils sont... ouais, bon, ils ont pas le prix Nobel de l'intelligence, les mecs, hein. C'est des gros autistes en puissance. Eh, va chier. On va se la faire facile. Ça va être la baston. Avec les mains en l'air.
Oh putain, il y en a un qui monte là-bas. Il a pas l'air heureux du tout. Ils sont plusieurs en plus. Tu veux me voir ? Déjà, je suis pas un communiste, alors tu vas se polir. C'est pas comme ça qu'on joue, si jamais, les amis. Hein. Bon, il y a 2-3 bugs lumière, mais ça va. Voilà, ce bruit musique, en général, c'est quand on a terminé de tuer tous les gens qu'on voulait tuer. C'est quoi ça? Tirez à vue sur l'ennemi! Encerclez le coco et tuez-le! Tirez à volonté sur l'ennemi! En avant! Ah, vous voulez vraiment qu'on se foute sur la gueule toute la soirée? Et franchement, vous avez rien d'autre à faire. Pensez à vos femmes, à vos enfants. Bon, alors on va se la faire nickel. Toi, tu vas mourir. Quel bordel. Ah, t'es gigoté comme des lapins. Oh, mais calmez-vous, les mecs. Arrête, hein. Ouh, toi, tu vas me saouler. Non, oh non, tu. J'en ai eu, je sais pas combien, mais j'en ai eu. Ma grenade a fait un petit peu mal, je crois. Merde, j'étais repéré. Ouh, j'étais repéré violemment. Le mec, il sait pas d'où ça vient. Ah, ça c'est beau aussi, il panique les mecs. Merde, la grenade. Combien il l'a mangé celle-là? Donc les mecs, quand ils savent pas où on est, puis qu'ils se prennent une balle, ils commencent à paniquer, ils fusillent tout dans tous les sens et tout, c'est juste grandiose. Allez, on rush aux pompes. Je viens sauver mon camarade. Toi, t'es un autiste, je m'en fous. Open the door. Représente les mecs qui ouvrent les portes. Quoi? Je me rends, c'est compris. Vas-y, rends-toi, de toute façon tu vas faire quoi d'autre, mec? Je me rends. Les huiles ont cassé le courrier. J'en ai marre. Tu te rends? Je suis quelqu'un de méchant. Vas-y, je te braque tous, t'as plus rien. Représente les mecs qui braquent. On arrive gentiment au bout de la vidéo. Vous comprenez? Voyez? Sachez, messieurs et dames, que cette vidéo aura au moins le mérite d'être explicite au niveau du gameplay du jeu. Donc, hein, vous avez vu ce qui se passe quand on se fait repérer. Vous avez vu ce qui se passe quand on se fait pas repérer. Plein de phases où on doit ramper dans des couloirs sombres et mal éclairés avec comme seuls amis des araignées. Allez, casse-toi, je t'écrase. Et voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo sur Metro. Et j'espère que ça vous aura plu. Malheureusement, j'aurais bien voulu faire un let's play dessus, mais ça n'a pas été possible. Voilà. Donc, ma foi, on fait comme on peut. N'oubliez pas que vous pouvez aller sur ma page Facebook. Je vais la mettre dans la description. Pour voter pour le prochain, enfin pour le premier let's play de ma chaîne. Donc j'ai un paquet de jeux qui sont notés, hein. C'est tous des jeux que j'ai. Après bon, League of Legends je l'ai pas, et puis Joe Danger je crois que ce jeu, bon, bref, je ne l'ai pas non plus. Mais sinon tous les autres jeux sont des jeux Xbox et PS3, donc n'hésitez pas, hein, allez voter, et puis dites moi ce que vous en avez pensé. Enfin bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à une prochaine, portez vous bien, à plus, bye bye.